aux abords de la trentaine, c'est finalement la demande de parrainer un jeune enfant qui était le catalyseur de toute une réflexion assez profonde sur ma foi, sur mes engagements, qui a fait que j'ai décidé d'entrer en catéchuménat pour approfondir cette foi et mieux comprendre ses ressorts. J'ai vécu ce temps de catéchuménat comme une vraie découverte et comme justement on a pu le voir dans les rencontres et l'étude de textes lors du catéchuménat, une forme de mise à nu et comme un baptême, une mort et une renaissance, puisque j'ai redécouvert beaucoup de principes, de fondements de la foi chrétienne catholique que j'ignorais ou que j'avais laissé en sommeil. J'ai découvert l'aspect collectif, communautaire, dans le sens positif du terme, alors que je vivais ma foi en solitaire jusqu'alors. Alors, comment je vis ma foi justement jusqu'à présent, c'était quelque chose de très intellectuel, plutôt de culturel. Et l'enjeu pour moi est d'en faire quelque chose de personnel, d'humain, de vécu et dans le monde. C'est-à-dire de creuser cette vie en commun, d'aller vraiment vers l'autre,